Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler épilation et surtout épilation à la lumière pulsée. Donc, je vais vous raconter un petit peu ma petite histoire. Personnellement, au tout début, j'utilisais le rasoir. Malheureusement, en fait, j'avais un poil assez dru, assez épais. Parfois, j'avais même trois poils dans le même bulbe. Donc, je peux vous dire que c'était pas facile. Donc, en fait, dans un premier temps, comme je vous ai dit, c'était le rasoir. Ensuite, les crèmes dépilatoires, si vous vous rappelez. Parce que personnellement, je pense que les filles n'utilisent plus trop la crème dépilatoire. Bref, et ensuite, je me suis rabattue sur la cire. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé la cire depuis 1999 à 2009, du coup, jusqu'à la naissance de mon fils. Et donc, je suis allée 10 ans dans les instituts de beauté pour me faire les épilations à la cire. Je peux vous dire que j'en ai laissé des sous là-bas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai eu mon fils, le premier, j'avais plus le temps. Mais alors vraiment plus le temps d'aller en institut de beauté. Mais comme j'ai vu faire pendant 10 ans les esthéticiennes sur moi-même, je me suis dit, je vais investir dans un appareil comme ceci. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais l'acheter. Bon, à la base, c'était pas celui-là que j'avais, hein. Et j'ai pris ça. Donc l'avantage, c'est que il se branche. Là, on allume, on éteint. Il y a une. Là, il s'allume en fait. C'est comme quoi il est bien branché. Ici, c'est pour régler la température. Et on met des cartouches comme ceci, comme dans les instituts de beauté en fait. Voilà. Et celle-ci, c'est au chocolat. Donc, du coup, j'avais investi dans ça. Et je faisais mes épilations moi-même, donc avec les genres de lingettes jetables qu'on passe par-dessus et qu'on enlève. Voilà, donc j'ai fait mes épilations donc seule avec cet appareil de 2009 à là 2020 en fait. Voilà. Donc je peux vous dire que j'en ai testé des choses. C'est vrai qu'avec l'épilation à la cire, j'avais donc mon poil qui s'est affaibli, certes. J'ai eu du coup, comment dire, un poil moins foncé, forcément. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, j'ai testé aussi l'épilation à la lumière pulsée, mais en institut. Je ne sais pas si vous aviez vu sur Groupon, ils avaient mis en fait des prix préférentiels sur 5 séances. C'était 3, 5, 10, voilà, en nombre de séances. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris, c'est vrai, 5 séances, mais donc dans l'institut de beauté où je suis allée, franchement, la dame, elle m'a cramée. Quand je vous dis elle m'a cramée, vous savez, quand on prend une poêle chaude et on la pose et ça fait une marque, je peux vous dire que j'avais la marque. Voilà, j'avais la marque, ma peau, elle est devenue noire. Donc pour vous dire que vraiment j'étais cramée. Donc elle m'avait fait 4 séances, la cinquième j'y suis pas allée tellement ça m'a fait mal. Vraiment. Donc j'ai pas voulu réitérer l'expérience. De là donc j'ai continué à m'épiler avec la cire. La cire franchement j'en ai toujours été satisfaite, hein, je vais pas vous mentir. Ensuite le seul inconvénient en fait c'est qu'on est obligé de laisser pousser un peu le poil pour pouvoir justement épiler. Voilà, du coup, de là, je me suis laissée tenter par cet appareil. Je vous explique. Ma peur, c'était parce qu'en fait, avec un appareil comme ça à lumière pulsée, c'est qu'il faut se raser avant afin qu'en fait ça stimule la pousse et que là, avec ça, on vienne brûler le bulbe. Mais le truc, c'est que je me suis dit, oula, si je commence à me raser, là, je vais récupérer le gros poil que j'avais avec trois poils dans le même bulbe. Enfin bref, j'avais vraiment pas envie, mais alors pas du tout envie de me retrouver au point de départ.
Du coup, franchement, je ne vais pas vous mentir, je l'ai pris. J'ai attendu un petit moment parce que j'avais vraiment peur de le faire, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, je me suis lancée. Donc, je vais vous montrer. Alors, donc, c'est un appareil qui est vachement maniable parce que du coup, on a la poignée, je vais vous le montrer. Regardez, hein, c'est une peau douce pour longtemps, c'est vrai. Des poils en moins, donc 90% de poils en moins. Et ça, c'est vrai. Franchement, j'en suis vraiment satisfaite. C'est pour ça que je vous montre le produit aujourd'hui. Je l'ai testé pour vous. Donc, dans la boîte, il y a donc l'appareil qui se trouve là. Ici, nous avons donc ça qui réduit en fait donc l'écran ici qui dégage la lumière justement, qui fait les flashs pour les zones sensibles. Enfin, voilà, si on veut faire les lèvres, etc., ben c'est avec ça. Ensuite, donc cet appareil, comme vous pouvez le voir ici, donc on l'allume. Ici, ce sont les différentes couleurs de peau en gros. Ça correspond donc le 1, c'est celui-là, 2 jusqu'à 5. Donc là, il vous montre la peau. Par exemple, moi, regardez, en fait, oui, il y a un aimant. Et il se clipse. Voilà, ça c'est super. Donc je vous montre, moi par exemple, ma couleur, c'est la 3. Parce que la 4, elle m'a l'air, quoique. Non, c'est la 4. Voilà, après, ça dépend aussi les zones. Hein. Selon où on s'épile, par exemple, sous les aisselles, peut-être que ça sera 5. Bref, donc, et par exemple au niveau du visage, mais ça sera 3. Donc l'avantage, c'est vraiment qu'on puisse venir là regarder la couleur de la peau. Non, non, moi il me semble plutôt que c'est la 3. Voilà. Donc, hop. Ensuite, on n'a plus qu'à donc allumer. Et de là, on appuie ici avec la gâchette. Donc soit on appuie longtemps et les flashs sont délivrés toutes les, je crois que c'est 10 secondes, 15 secondes, un truc comme ça, ou 5 secondes même. Et en fait, on a le temps juste de bouger de place et en fait, ça envoie un flash. Soit on appuie à chaque fois comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que sous forme de pistolet comme ça, je trouve que c'est vachement maniable. Donc, avec ça, nous avons le livret donc d'utilisation et le câble pour le brancher. Voilà. L'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, il a une application, donc il est connecté, personnalisé. Ça, c'est super parce qu'en fait, du coup, on peut enregistrer sur son agenda, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, on a fait la séance aujourd'hui. C'est l'appareil qui va nous calculer combien de temps après il va nous mettre la prochaine séance. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc ils nous disent, bon, c'est vrai, c'est rapide et simple. Donc, pour le visage, 1 minute, les aisselles, 1 minute, le maillot, 2 minutes, et les jambes, 10 minutes. Bon, ils nous mettent 10 minutes, ouais, moi je mets un peu plus quand même. Bon, on va dire 10 minutes la jambe, pas les deux jambes, je mets plus longtemps. Voilà, donc ici, nous avons donc le programme d'épilation en 8 séances. Donc, 4 séances espacées de 2 semaines. Plus 4 séances espacées d'un mois. Voilà. Donc, moi personnellement, j'en suis. Là, je vais faire la 7e. Donc, moi pour l'instant, c'est espacé de 1 mois. Voilà. Donc, après, il me restera encore une d'un mois. Et normalement, ça sera bon. Personnellement, j'ai plus rien. Il me reste juste un peu quelques-uns qui sont là au-dessus. Un petit peu au niveau du genou. Derrière, il n'y a plus rien. Vraiment plus rien. Les aisselles, je crois que je dois avoir franchement 2-3 poils. Et encore, c'est parce que ils sont au niveau d'un bouton que je dois faire enlever par un dermatologue. Et que ce bouton-là, je ne peux pas envoyer de flash dessus.
Voilà, ça il faut le savoir. Il faut surtout pas envoyer de lumière pulsée sur un bouton, comment dire, vous savez, les boutons qui ressortent bien évidemment. Donc voilà, alors franchement c'est simple, c'est 4 séances toutes les 2 semaines et ensuite 4 séances tous les mois. Voilà, ça fait pendant 4 mois. Et moi j'en suis à mon avant-dernière séance et je peux vous dire que effectivement, il me reste vraiment, mais alors vraiment, pas beaucoup de poils. C'est vraiment révolutionnaire et j'avais vraiment peur que ça repousse. Je suis contente parce que c'est vraiment pas le cas. Voilà. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe avec l'application en direct. Bon là vous pouvez voir par rapport au poil donc, qui a été flashé. En fait après le poil il tombe. Au départ on n'a pas l'impression que ça tombe parce qu'on se dit maintenant ça va repousser etc. Ça repousse certes mais il y en a beaucoup moins mais on s'en rend pas compte tout de suite. Donc franchement je vous conseille de le faire jusqu'au bout parce qu'on s'en rend pas compte. Mais après on voit la différence. Alors, je vais vous montrer en fait l'application qui se trouve ici, Homelight Connecté. Donc, c'est le Babyliss. Alors, le mien, c'est le G945E qui se trouve là. Hop. Donc, bon, il y a les précautions en fait à lire. Moi, personnellement, voilà, donc, je devais faire ma séance le 29 janvier. Bon, là, j'ai décalé un peu, mais c'est pas grave. Donc, en gros, là, je suis prête à le faire. Donc, aisselle maillot jambes. Et j'en suis. Donc, par exemple, si on fait les aisselles, hop, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, j'ai fait ma dernière séance. C'était quand? Le 9 janvier. Et donc, j'en suis. Donc, j'ai fait 6 séances. Séance déjà faite. Déjà effectué 6. Donc là, ça va être ma 7e. Alors en fait, en gros, avez-vous exposé votre peau donc au soleil? Bon, non. Est-ce que c'est votre première? Non, vu que j'en suis à ma 6e. Votre peau est-elle irritée? Avez-vous ressenti une gêne lors de votre précédente séance? Donc franchement, c'est un questionnaire qui fait en sorte de pas... de prendre les précautions qu'il faut pour pas vous brûler la peau quoi. Donc là, déterminez le type de votre peau. Donc là, je vais sur le point d'interrogation. Et en fait, à l'arrière de l'appareil, il y a ce... Donc c'est un clips. Il est aimanté avec les couleurs de peau. Donc ça va jusqu'à 4, jusqu'à 5. La 6e, donc c'est interdit les peaux très foncées. Ça marche pas dessus. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que comme ça se déclipse, on le pose sur la peau et on voit de suite à quelle peau on correspond. Voilà. Donc, par exemple, moi, ça sera soit 3 ou 4. Si je mets 4, voilà. Avez-vous utilisé une crème cosmétique? Donc, entièrement pénétrée, etc. Donc, moi, c'est tout non. Utiliser une crème thérapeutique, donc voilà, ensuite on doit mettre la date si c'est le cas et on démarre la séance. Donc, quand on démarre la séance, voilà, n'oubliez pas de régler votre épilateur sur le niveau de la puissance. Donc moi par exemple si j'ai mis 4, je mets OK et là donc on a un minuteur qui s'enclenche et ça me dit que la séance précédente j'avais mis 1 minute 36 pour faire mes aisselles. Voilà, quand on a fini, bon soit je mets pause, si je m'arrête ou quoi, sinon je termine la séance. Et quand on termine la séance, on peut l'enregistrer, je vais pas le faire parce que j'ai pas encore fait ma séance, on peut l'enregistrer donc directement sur son agenda électronique. Donc ça c'est cool parce qu'après moi j'ai une alarme qui m'informe que je dois faire ma séance d'épilation. Voilà donc pour l'application. Donc voilà, comme vous pouvez le voir en cliquant sur maillot et sel, donc comme quoi je l'ai faite aujourd'hui, ça me met que la prochaine séance sera dans 28 jours, le 6 mars 2021. Voilà, et là c'est pareil, quand je vais appuyer dessus, et bien ça va me mettre le questionnaire, et donc après le temps que je passe à faire... du coup, mon passage avec la lumière pulsée,
Et de là, je vais valider, ça va aller dans mon agenda. Et ensuite, ça me mettra qu'il faudra réitérer l'expérience 28 jours plus tard. Voilà, voilà. Alors là, je vais vous le montrer en direct. Donc, je viens de le brancher. On l'allume. Voilà. Là derrière, là, on a du vent en fait. Ici au-dessus. Et là sur le côté. Donc là, vous voyez, il est allumé. Il est sur la position 1. Donc par rapport à cette couleur de peau. Là, c'est allumé. D'accord? Ensuite, par exemple, hein, moi, je vais mettre 3. Donc c'est ma couleur de peau que j'ai là. Là, il est allumé. Parce qu'en fait, vous allez voir par rapport à ça. Là, je vais mettre ma main. Regardez. Ah oui, par contre, l'avantage de celui-là, c'est qu'il détecte si la peau, elle est complètement posée dessus ou pas. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, il faut qu'il clignote. Voilà, là, ça clignote, vous voyez? Hop! Là, ça a fait une... un coup de flash. Voilà, il est vraiment facile à utiliser. Vous mettez juste la couleur, vous l'allumez, la couleur de votre peau. Là, il faut juste que ça, au moment où ça clignote, vous mettez un coup de flash. Alors, pour finir, en fait, je voulais juste vous dire que celui-ci d'appareil, donc le G945E, contient donc dans cette ampoule là qui délivre les flashs, 200 000 flashs, voilà. 200 000 flashs, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Je pense qu'on peut faire 3 fois, 4 fois une personne, quoi. Voilà, donc par contre, autre chose, les modèles que vous avez vus, vous savez, il y avait différents modèles sur, sur l'application. Et bien, en fait, chaque modèle, c'est d'où le prix, en fait, chaque modèle a un nombre de flashs différent. Vous allez trouver des appareils identiques, mais avec une référence différente. Et en fait, tout ce qui va changer, c'est ça, c'est le nombre de flashs. C'est-à-dire que celui-là, c'est le 945E parce qu'il contient 200 000 flashs. Ensuite, vous allez en avoir avec 130 000 flashs, 100 000 flashs, 300 000 flashs. Après, c'est à vous de voir, en fait. Mais 200 000 flashs, vous en avez largement assez, hein, même 130 000, vraiment. Donc voilà, moi personnellement, je vous le conseille. Je pensais pas dire ça un jour, mais vraiment, c'est révolutionnaire. Le pire, hein, c'est que j'avais déjà discuté avec une copine qui avait un similaire, mais c'était il y a des années en arrière, hein, il y a au moins 6 ans ou 7 ans, donc c'était pas encore cela, mais qui m'avait dit que ça marchait super bien. Moi, je la croyais pas trop parce que j'avais eu la mauvaise expérience avec l'institut. Et pourtant, mon poil a repoussé, certes, un peu moins, mais j'en avais toujours. Après, j'ai continué la cire, donc forcément. Mais je pensais pas dire ça un jour d'un appareil comme ça. Alors, si je vous en parle, c'est que vraiment, c'est un super bon produit. Les filles qui en ont marre de s'épiler, franchement, c'est top. Moi, je vous explique. Vous mettez donc dans votre application, du coup, qui va enregistrer automatiquement la date à laquelle vous devez vous épiler. La veille, vous vous rasez. Enfin, c'est même pas vous épiler, c'est vous raser. Donc, la veille, vous vous rasez pour qu'il... Après, en fait, il faut donc faire la lumière pulsée 1 ou 2 jours après. Parce qu'en fait, il faut que, comme je vous ai dit, que le système de repousse s'enclenche pour pouvoir brûler le bulbe. Donc, franchement... C'est facile. Vous avez la notification sur votre téléphone, vous allez vous raser le lendemain ou le surlendemain, vous passez l'appareil. C'est rapide et surtout, c'est efficace. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo donc sur l'épilateur à la lumière pulsée vous aura aidé à faire votre choix concernant votre méthode d'épilation. Et j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. À bientôt.